déterminant A carré, déterminant A, je vais les réunir un à côté de l'autre. C'est pas très long, c'est du recopiage, mais ça va m'aider à ne pas faire d'erreur après. Vous savez, je ne suis pas tant forte sur les démarches inutiles, puis celle-là, ben, je les ferai. Okay? Même si ce n'était pas pour vous enseigner, je ferai cette étape-là de les réunir ensemble. Pour les A, c'est comme j'avais un A puis 4 cinquièmes A. Fait que je les mets en cinquième. Okay? Fait que sur 5A plus sur 5A. Celui-là, j'ai rien à changer. J'ai 4. Celui-là, fois 5, j'ai 5 cinquièmes A. Ici, c'est comme j'avais moins 1 unième. Je vais les mettre encore. Moins sur 4A2. Moins sur 4A2. Fois 4, 4. Ici, j'ai rien à changer. Il me reste juste à calculer. 4 plus 5, 9. 9 cinquièmes A. Moins 4, moins 1. Moins 4, moins 1. Je suis à moins 5 quarts A2. Je vérifie mes réponses. Ça ne simplifie pas, ça ne simplifie pas. Je n'ai pas de terme constant à mettre à la fin. Idéalement, ce terme-là aurait été écrit à l'avant, celui-là après, parce que les exposants sont plus élevés. Des questions?